Bonjour, je m'appelle Judith Boinat, je suis avocate au barreau de Paris. Je vais vous parler de la procédure prud'homale. Maintenant que vous avez engagé la procédure, comment ça se passe? Alors, le conseil de prud'homme est une juridiction qui est dite paritaire. Vous êtes jugé par vos pairs, salariés et employeurs élus conseillers prud'homaux. Le conseil de prud'homme est divisé en plusieurs sections, par exemple la section commerce, la section encadrement, etc. Votre affaire sera placée devant la section correspondante à l'activité principale de votre employeur. Le conseil de prud'homme est subdivisé en formation et en bureau. Vous avez la formation des référés, la formation de départage, le bureau de conciliation et le bureau de jugement. La formation des référés, c'est celle qui règle tous les conflits urgents, non sérieusement contestables, c'est-à-dire avec une certaine évidence. Par exemple, vous pouvez saisir le juge des référés si vous n'êtes pas payé de votre salaire, mais vous ne pouvez pas lui demander d'apprécier si votre licenciement est abusif, sans cause réelle ni sérieuse. Ça relève de ce que l'on appelle le fond, c'est-à-dire le bureau de conciliation et le bureau de jugement. Devant le bureau de conciliation, va être apprécié s'il y a une possibilité d'accord entre les parties. Si ce n'est pas le cas, le bureau de conciliation va renvoyer devant la formation de jugement. Sachez également que le bureau de conciliation a des pouvoirs très importants puisqu'il peut rendre des ordonnances condamnant au paiement à titre provisoire d'un salaire ou bien ordonnant la communication de pièces ou bien par exemple des mesures d'instruction comme se rendre dans l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas accord des parties devant le bureau de conciliation, celui-ci renvoie devant un autre bureau qui est le bureau de jugement. C'est devant ce bureau-là que l'affaire sera plaidée et donnera lieu à un jugement. Alors sachez, en ce qui concerne le bureau de jugement, que si les conseillers, employeurs et salariés ne parviennent pas à se mettre d'accord, l'affaire est renvoyée devant la formation de départage à laquelle participe un juge professionnel qui est un juge du tribunal d'instance. Pour finir, vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été rendue soit par le bureau de jugement, soit par la formation de départage. Vous pouvez faire appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification par lettre recommandée du greffe devant la cour d'appel compétente. Voilà, vous savez désormais comment fonctionne le conseil de prud'homme.